Oh mais c'est bon, tu vas pas me donner des conseils sur la propreté. Déjà commence par laver ton slip, après on en parlera. Mais bon, oh la tête. Mes amours, plus le temps passe, je ressemble à un croque-mort. Je vais être pile dans le thème de la soirée, c'est trop bien. Viens voir. Laisse tomber. Heureusement, je ne mets pas dans mes cheveux aussi. Mais j'ai pas mis dans tes cheveux, Lilou. Oh Seigneur Marie-Josée. Oh là là, je me retrouve avec une calvasse. Titi, 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 titi. Que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo mes amours, et aujourd'hui on va faire une soirée pyjama spéciale Halloween parce qu'on est au mois d'octobre, ça y est, et Swan et Lilou sont à l'école et du coup ça fait trop longtemps, on leur a pas fait une surprise. Alors avec mon chéri on s'est dit, pourquoi je ferme les yeux comme ça? Bref, j'essaie de parler vite parce que je dois partir vite, surtout parce qu'après j'aurai pas le temps de tout faire avant qu'ils rentrent des cours. Donc en fait en gros on va faire soirée, vous vous souvenez la soirée pyjama qu'on avait fait la dernière fois? Sauf que là on va la faire en mode soirée Halloween, ça veut dire sur le thème d'Halloween. On va essayer. De toute façon, je me suis fait une fiche. Attendez, je vous montre. Parce que là, je suis une meuf grave organisée maintenant. Je vous jure, je me suis fait mon petit agenda, comme ça. Et là, je me suis fait une fiche. Sur cette fiche, j'ai écrit exactement tout ce que je recherche et tout ce que je veux. Donc, on est à l'étape numéro 1, mes amours. Sans perdre de temps, on se dépêche, comme je vous ai dit. N'oublie pas de liker, commenter, abonne-toi si ça te plaît, que je vous fasse plein d'autres vidéos. Et mes amours, c'est parti. Étape 1. On va devoir aller à Primark pour essayer de trouver des plaids, coussins, costumes de chiens, parce que j'aimerais bien que mes chiens participent à ma soirée pyjama. Des gâteaux sur le thème d'Halloween, pourquoi pas un pot à bonbons, citrouille. Et après, il y a d'autres magasins à faire pour d'autres choses. Donc c'est parti mes amours, direction Primark. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été Primark. Oh, ça m'énerve. Mes amours, j'ai trouvé une trousse comme ça, Jack, pour faire des trousses skincare pour notre soirée pyjama. Et elle est trop belle, donc on la prend. Mes amours, là on est au pyjama et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses, je suis trop dégoûtée. Mais là on est au pyjama et je me dis peut-être qu'il y aura des trucs sur le thème d'Halloween, comme ça on se mettrait tous en pyjama genre chill et tout. Oh waouh, regardez, Hello Kitty. Oh, c'est pas du tout le temps de mettre ça, mais alors c'est trop beau. Ouais. J'ai vu, il y a les chaussettes avec en plus. On va devoir se lancer à la recherche. Mes amours, j'ai trouvé un rayon où il y a des trucs d'Halloween. Déjà il y a la même cape mais en version comme ça. Je veux ça pour Moshi. Il tue. Je l'ai donné pour Moshi. Il tue. Oh, il est incroyable. Hein. Ouais, il y a un petit pantalon. Regardez, il se baisse. Soit vous le mettez petit ou grand. Pour Lilou, je vais prendre ce pantalon avec ce haut. Il n'est pas trop épais, donc ça va aller. Et puis elle, je pense qu'elle s'en fout. Elle aime trop avoir chaud. Elle met des gros pyjamas. Donc je vais prendre lui. Pour moi, je vais prendre un truc comme ça. Mais pour les garçons, il n'y a rien. À moins que je vous prenne une robe de nuit. Oh, il y a des plaids par contre. On prend un plaid direct. On va prendre ça. Pour Swan, mes amours, j'ai trouvé une cape plaid où il peut mettre sa tête dedans. Donc voilà, au moins on a un truc pour Swan. Tiens. Là, il y a des serre-têtes comme ça. Je vais en prendre un pour Lilou. Ça, c'est nickel. Comme ça, on pourra tous choisir nos accessoires. Prendre ceux-là. Et moi, je vais prendre cet accessoire. Je m'en servirai pour mon déguisement d'Halloween. Mes amours, j'ai trouvé un t-shirt mercredi. Je me dis ça sera bien avec un t-shirt en satin noir que j'ai trouvé aussi. Pour moi c'est bon, mon pyjama, il manque juste le pyjama de monsieur pour son plus grand plaisir. Et d'ailleurs si vous kiffez Primark, il y a toute la collection mercredi. Mais genre les chaussures là, elles sont trop belles je trouve. Il y a la petite robe, bref c'est trop beau. C'est bon mes chéris, j'ai trouvé le rayon Halloween, je suis trop contente. Il n'y a pas énormément de trucs, mais je pense qu'on peut trouver des trucs bien. Enfin, c'est pour les enfants ça. Moi je vais même pas regarder, je commence à m'enflammer. Ah non, c'est pas des habits pour les chiens ça? C'est des habits pour les chiens. Ah non ma chérie, c'est exactement ce qu'il me fallait. C'est trop beau. Je vais regarder les tailles. Donc au moins il y aura pour les chihuahuas et pour marcher loulou. Il y a des... ah, en fait c'est pas le rayon déco, j'ai dit des conneries. Mais c'est... ça va, regardez. Il y a des crayons. Et ça c'est genre des activités d'Halloween quoi. Et ça, s'il y a bien quelqu'un qui veut colorier un sac. C'est toujours une activité d'Halloween pour une soirée pyjama, c'est bien. Hein. Mes amours, pour les costumes, j'ai trouvé un L. Nathan, il a trouvé, j'avais pas vu. Il y avait, j'ai pris un XS, un M et un L. Mais le XS, il va à la Marcel qui est plus gros que les chihuahuas. Mais pour les chihuahuas, c'est extrêmement grand. C'est énorme. Même le L, j'ai l'impression que ça va être trop énorme pour Momo. Bon, on va faire au maximum. Mais en tout cas, j'en ai déjà 3 pour les bulldogs. Et eux, je sais qu'eux vont kiffer notre soirée pyjama. Les chihuahuas, on va les toucher, ils vont nous bouffer. C'est bon mes amours, à l'étage garçon, on a trouvé ce t-shirt de Freddy et Jason, le film d'horreur, ce pull ou celui-là. Mais celui-là, il est beau, mais voilà, on va prendre celui-là, s'il y a ta taille. Regardez le dos, on n'avait pas vu le dos, il est vraiment Halloween.
Il est Halloween. Halloween. Mes amours, deux bangers. Déjà, je suis passée en caisse. J'ai oublié mon sac. Donc, j'ai pas ma carte, j'ai rien. Heureusement, Nathan, il avait une carte dans son téléphone et c'est passé. Deuxième chose, j'ai carrément loupé le rayon skincare. Et donc, là, quand je voulais sortir, je vois qu'il y a tout ce qu'il nous faut pour notre soirée pyjama. Donc, je vais devoir repasser en caisse. J'ai trop la rage. Mais regardez, il y a des trucs trop beaux, genre des cotons démaquillants, faire les boucles. Bref, il y a plein de trucs. C'est trop bien. Là, on va direction Jiffy et on va chercher nos plaids. Et voilà, hein, plaids, coussins, tout ça, tout ça, tout ça. D'amour, il n'y a plus un sac qui peut rentrer dans le coffre. C'est pour vous dire à quel point j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Je suis trop contente. Je voulais aller à Action, mais ça va servir à rien parce que j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Il manque que le magasin de nourriture. Et après, on est good. On aura terminé. On aura vraiment tout ce qu'il faut. Ça va être incroyable. Mes amours, du coup, on se retrouve deux jours après parce que, entre temps, j'ai été malade. J'ai trop mal à la gorge. Regardez. Et du coup, entre temps aussi, Swan, il est parti en classe de découverte pendant deux jours. Enfin, en soi, c'était que un dodo, mais c'était deux jours. Et du coup, eh ben, on pouvait pas continuer parce qu'il était pas là. Il veut forcément participer à notre soirée d'Halloween. Du coup, il rentre ce soir. Et là, il m'a dit, maman, vraiment, je rentre vendredi soir. Il faut que la soirée elle soit faite et tout, que ça me fait une surprise, tout ça. Donc, on va s'activer pour que vraiment, ça soit nickel. Bonjour, Johnny. Bonjour, mon Marjane Loulou. Et là, c'est mon maman. Là, là, il y a Junkie. Là, il y a Hero, mon amour. Et puis Junkie. Ils sont en train de manger leur festin. Voilà. On les fait manger dehors, sinon il y en a partout. Donc, on va aller dans mon bureau. Regardez comment je l'ai refait, mes amours. Mon bureau, rien à voir. Mais j'ai enlevé tout ce qui était kawaii et tout. J'en pouvais plus. Si vous me suivez sur Insta, vous le savez. Je remets tout en mode normal. Voilà, c'est un peu le bordel, je vous avouerai. Mais regardez, j'ai tout remis en mode rose, normal et tout. Et franchement, j'adore regarder toutes les brunes. J'adore. Bref, j'aime trop mon studio. J'ai tout remis comme ça, avec le trophée Lilou, le mien. Ah, bref, j'adore. Donc là, mes amours, regardez, ça c'est le pour les courses d'Halloween. Du coup, il y a tout ça, que ce soit Primark, Jiffy. Et je suis passée à Action aussi, du coup, entre temps. Là, c'est tous les plaids, les coussins. J'ai trouvé du orange, je suis trop contente. Les coussins, regardez quoi, ils sont compressés. Bref, il y a vraiment tout ça. Il y a une tonne de trucs et le reste, c'est dans le garage. Je vous dis, mes amours, vous êtes pas prêts pour la transformation. Ça va être trop bien. Cette soirée va être trop bien. C'est trop bien, mes amours. Je vous jure, cette soirée va être trop bien. Je vais casser mon mur d'excitation. Bon, bref, du coup, on va commencer à faire la cabane. Ça, pour moi, c'est la priorité. Mes amours, on va débarrasser la table et tout. On va reculer le fauteuil comme dans la soirée pyjama numéro 1. Là, on est parti chercher à Ikea entre temps parce que, ah, je vous ai pas dit, impossible d'avoir la tente que je voulais avoir. Et en plus, elle était beaucoup trop grande. Au final, c'était 4 mètres et quelques. Et donc, on l'avait pas à temps. Donc, c'était même pas la peine. Mais j'ai trouvé une autre solution. On s'est dit qu'on va prendre des... On a acheté des... Vous voyez les penderies là, Ikea? Parce que j'ai regardé plein de techniques sur Pinterest et avec ce genre de penderies. Si on les met comme ça derrière le fauteuil et sur les côtés, on en a pris 4. Et ben on va pouvoir surélever les draps. Rêve, tu vas voir. Pourquoi tu poses trop de questions toi aussi? Tu vas voir. Là... T'as même pas posé une question la caméra, c'est même pas vrai. Donc là c'est lui qui va le faire parce que hey, moi c'est un truc comment je déteste, c'est monter des meubles. Mes amours, si vous avez suivi la fiancée de Chucky, il y a quelqu'un qui me l'a déposé devant ma porte pour genre m'intimider alors que moi je la garde parce que je la trouve trop belle. Et je suis trop contente de l'avoir, donc voilà, merci beaucoup à toi. Et d'ailleurs je vais même utiliser son couteau pour... J'adore, je vais même lui... J'utilise comme ça, ouais, y a pas de gâchis. Voilà, merci, voilà. Grâce à toi on a un couteau. Contre-jour. Salut, mes amours.
C'est pour pour poser mes couettes dessus pour faire la cabane. Parce que la cabane dans les genres de pyjama, c'est la base. Du coup, je sais pas si j'en ai pris 4. Mais je sais pas comment je peux faire pour les mettre. Genre, est-ce que, du coup, si j'en mets une là, ça va soutenir le drap qu'il y a là. À mon avis, j'en mets une deuxième là pour soutenir le drap qu'il y a là. J'en mets là, en fait, c'est le fauteuil qui va soutenir. Une derrière pour que ce soit quand même haut. Moi, je vais mettre bien haut. C'est toi qui vois. On va choisir comme on a, oui. Voilà, mes amours. Vous me voyez, mes amours? Moi, je vous vois. Voici les bêtes. Tes pieds sales, quoi? Oh, mais quel crassou! J'ai même marché dans le pipi de Marcel et j'ai une grosse auréole jaune. Oh, oh my god! C'est normal, tu marches avec tes chaussettes dehors. Oh, je m'en fous, j'aime mon chien, normal. Mes amours à la bonne franquette. En plus, je marche sur mes plaids, je suis vraiment une crasseuse. Et si on est une crasseuse qui assume, ça va? Non, je vais aller chercher mes chaussettes quand même. Je suis une crasseuse qui assume, il y a des limites. Ouais, mais c'est surtout que là, tu marches sur le plaid en fait. Donc, je sais pas. Toi, ça te dérange pas, mais. Mais. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, abuse pas par contre, abuse ouvre, pas. Ouvre. Abuse pas. Ouvre. Ok, ah. Alors, tu la sens. Ça sent les saucissons secs. Voilà. Je peux montrer tes nouvelles chaussettes. Voilà. Oh, ils brillent. Là, c'est mieux. Tu te sens pas mieux là? Non. Dans deux secondes, il va te donner mes torts. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, les plaies, au moins, ils seront plus propres. Oh, mais c'est bon, tu vas pas me donner des conseils sur la propreté. Déjà, commence par laver ton slip, après, on en parlera. Mais mon slip est propre. Par contre, petite parenthèse, Jiffy, t'es pas obligé de mettre ton logo sur les coussins, ça gâche tout. Je suis désolée, Jiffy, je t'adore, mais non. Non, ça c'est non. Il a compris comment faire de l'autopub. Grave. Waouh. Ça c'est comment acheter chalette cocooning. Maintenant, ça va être le plus difficile. Ça va être de fermer le toit, mes amours. Moi, je vais faire passer un drap qui fait tac, tac. Ensuite, je vais faire une boule. Tac, tac. Première chose, après on va voir où on met les 4 autres. Dans mon direction, la buanderie, on va prendre tout ce qu'on a. Donc on va pas prendre les draps de Lil Wesson parce que ça va être trop petit. Mais vraiment les draps et les housses de couette de personnes, ça va être parfait. Allez, let's go. Est-ce qu'il faudrait mettre une penderie ici pour que ça soit haut quand même? Ah justement, c'est pour ça. Mais on va voir. Mais pas forcément. Mais c'est pour ça qu'on en a une quatrième. C'est pour ça qu'on en a une quatrième. Pas forcément. Parce que si on... Oui, c'est quatrième, c'est pour ça. C'est pourquoi t'as pris 4 alors? Non, mais bon, bref. Voilà. Et en plus, il y en a un drap avec une couleur bleue. Au bout de la couleur du drap, c'est bon, c'est cabane, mink. Non, ça a joué, c'est moi, là, les amis, on fait un... Vraiment, un jour, on va prendre le luminaire dans la gueule, vraiment. Essaye le coin, dégage. Ah. Essaye le coin et regarde si ça marche bien. Ça marche trop bien. C'est validé. Rien que là, j'adore. C'est tout? Ouais, moi je suis une gamine, mes amours. Je sais pas si je le fais pour les enfants ou pour mon propre plaisir. Je te jure. De la cabane là, ça rend rien encore pour le moment parce que il fait clair et tout, on n'a pas encore mis les lumières et tout, mais vous inquiétez pas, ça arrive, on va mettre des néons et tout. Là j'ai mis comme ça, mais on peut rouvrir le truc pour carrément fermer le devant, mais là je vais pas fermer parce que le but de ce soir c'est de regarder des films d'horreur et tout. On a un accès direct à la télévision là-bas et il fera tout noir, donc ça va être trop bien. Et il faut aussi qu'on puisse mettre une petite table avec plateau repas et tout. Voilà, les bases sont faites, ça ressemble encore à rien, mais on va passer à la décoration, ce qui va faire tout dans notre cabane de ouf, la nourriture, les tout. C'est parti pour aller la chercher. Là, mes amours, de ce qu'on va faire dans la cabane, c'est qu'on va prendre cette table. J'aime bien faire ça, je me crois comme les TikTokers, tu vois, ceux qui sont dans l'extrême. On va prendre cette table et on va la mettre là, comme ça. Après, on va mettre des plateaux de charcuterie d'Halloween dessus, des hot dogs d'Halloween, des boissons, des cocktails d'Halloween et des bonbons d'Halloween, des popcorns d'Halloween. Nous, comme vous savez, à chaque soirée, notre seul but, c'est de s'empiffrer. Donc là, voilà, mes amours, elle sert à fermer notre cabane. Et du coup, à mettre un maximum de graille dessus. C'est trop bien. C'est trop bien, mes amours. Je me suis dit, mes amours, il faut vraiment que je vous montre des recettes qui prennent 5 minutes à faire. Genre, si vous voulez faire une soirée pyjama Halloween, que c'est pas, ouais, il faut faire au fourneau et tout. Que même les gens extra nuls peuvent le faire. Et vous allez voir, c'est trop facile. En 2 minutes, c'est plié. Donc ça, on le fera après. Mais là, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre les néons, les lumières et tout pour voir ce que ça donne. Et voilà. Ça, on va mettre ça là. C'est
Trop mignon. Là, on va décorer la cheminée. On va enlever tout ça parce que c'est pas assez Halloween. C'est le mot chocotte. Ouais. Regardez, mes amours, vous l'allumez et il y a du sang qui coule. On va la crash test avant la soirée, voir si c'est pas de la D. Wow, elle fait peur. Mais elle s'allume où? Mais elle s'allume pas. Bah si. Mais c'est à toi d'allumer une bougie. Mais elle est censée avoir un trou sur son crâne. Ah, c'est ça. Ah. Je savais pas que la bougie était directement dedans. Oh, I love that. Bon, on peut pas le mettre mais là parce que c'était toi qui devais on peut pas le mettre là parce que ça va couler partout. Mais du coup, on va le mettre dans une petite soucoupe et mais on va le poser sur la table du dîner. J'ai pris de l'arsenic et de l'arachnide tonique. Ouais. C'est vraiment chiant. Oh, ça a l'air tellement flippant. C'est vraiment flippant. C'est flippant de fou. À ne pas consommer. Si vous consommez, vous allez mourir. Si vous consommez, vous allez. Oh. Ah ouais, ah ouais, là. Est-ce que j'ai bien fait? Les amours, je peux pas tout vous spoiler aussi. Si vous participez à toute la déco, il y aura plus de découvertes. Donc là, je vais terminer de décorer la cheminée, décorer la petite table à manger. Ensuite, je vous reprends pour qu'on installe les lumières. Et bien sûr, après, je vous fais un tour de notre cabane. Ah, c'est comment tu cours? Un bonbon ou un sort? Parce qu'il y a tellement de rapaces dans la vie. Le saut que vous prenez pour aller taper et chercher des bonbons en 2000. En 2000. Moi j'allais avec ça. Le saut qu'il vous faut en 2023. Avec la crise. Un saut spécial inflation. Voilà. J'ai dû mettre un coup mais je vais avoir mal. Et après j'ai peur qu'il m'attaque la nuit. Mes amours, vous savez pourquoi j'adore Primark? J'étais en train de préparer nos pyjamas pour donner chacun son pyjama et tout pour qu'on se mette en mode Halloween. Et là j'ai pris un short en satin, vous étiez avec moi, taille M. Et là je défie, je me dis mais what the fuck, c'est pas du M ça. Et au final c'est du XL. Comment ça m'énerve. Heureusement que j'ai ça sur moi. Donc je vais laisser ça. Mais c'est une dinguerie. Purée, Primark c'est tout le temps la même chose. On en a marre, on souffle. Franchement on souffle fort. Là mes amours, oh la tête, mes amours, plus le temps passe, plus je ressemble à un croque-mort. Je vais être pile dans le thème de la soirée, c'est trop bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, parce que ça, je sais que nous, on aime trop faire ça ici. Vous connaissez, une trousse spéciale skincare d'Halloween, parce que pendant notre soirée pyjama, c'est sûr, on va faire de la skincare. Donc, j'ai pris celle-là, elle est trop belle. Je vais mettre des petits beauty blenders, des petits pinceaux pour les masques. Et là, on va aller dans mon Sephora personnel pour aller chercher des masques d'Halloween et tout. Je dois bien avoir ça, c'est parti. Dans mon tiroir de masques, si vous me connaissez, vous savez que j'adore les masques, je collectionne les masques. Et j'en ai vraiment une tonne. Waouh, ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas montré cela sur TikTok et tout. Là, je vois du orange. Est-ce que je vais trouver des trucs d'Halloween? Là, on a des trucs de Noël, mais ce n'est pas Noël. C'est bon, mes amours, j'ai trouvé tout ce qu'il faut. Donc, des masques vilains, noirs, bien évidemment. Comme ça, quand on le mettra sur notre visage, ce sera noir. Des masques en tissu, pour ceux qui préfèrent les masques en tissu. Ça... pour les points noirs, masque pour le nez noir aussi, un autre masque, vraiment on a le choix des masques vraiment ici, des masques pour les pieds, parce que j'aime trop faire des masques pour les pieds, un petit rouleau jade, un gua sha, une crème hydratante, contour des yeux, sérum, des faux ongles à coller si jamais Lilou veut se faire une activité faux ongles, je sais qu'elle aime bien ça, un petit pinceau et il nous reste les trucs que j'ai acheté là-bas, étrange Noël de Monsieur Jack que je vais mettre dedans et on a notre petit pot à skincare. Ah il me faut des bandeaux noirs aussi, je rajoute des bandeaux. Et c'est bon. Qui dit Halloween, mes amours, dit bonbons. C'est la base, même si j'aime pas trop qu'ils mangent trop de bonbons. Mais du coup, on va faire un saut avec que des bonbons d'Halloween. Donc, en premier, j'ai pris ceux-là. C'est des Madness Crush. Apparemment, ça pique. Des petits sachets comme ça. Ah, oh, je crois que c'est des têtes. En fait, c'est des têtes brûlées, mais en forme de squelette. Hop. On a une sucette doigt. Comme ça, c'est un doigt que tu trempes dans le piquant à côté. J'en ai pris qu'une parce que je me suis dit qu'on va tous sucer la même sucette, flemme. Des sucettes comme ça en forme de petites mains squelettes. Petit sachet de bonbons.
et des petits yeux en chocolat. Les sauts de bonbons, c'est bon. Maintenant, les sauts de pop-corn. Parce que la base de regarder un film d'horreur en mangeant des pop-corn, en fait. Ça fait 4 jours que t'as pas mangé. On va mettre du coulis de framboise et du coulis de fraise pour faire l'effet du faisan. Et si on vise le truc, c'est encore mieux. Et voilà, des pop-corn. Incroyable. Mes amours, avant d'appeler Swan et Lilou, je vais vous faire un tour de la cabane et du coin Halloween pour la soirée pyjama. C'est juste trop beau. Donc pour commencer, déjà là sur la table, j'ai mis les tenues des chiens, les jouets des chiens, les pyjamas, etc. Mais ça, on les habillera tout à l'heure. Genre, on va trop rigoler. Oh, venez mon chouni. Venez mon chouni. Regardez. Regardez, ça leur procure des émotions. Ils sont trop contents d'être déguisés. Mon marché loulou, ça lui va trop bien, le noir. Mes amours, on lui a mis les petites cornes. Oh, il est trop beau, mon marché loulou. En plus, regardez leurs petits jouets là-bas. Du coup, on va tous mettre notre pyjama. Et là, il y a un bac à accessoires si jamais bah, ils veulent prendre des accessoires ou quoi pour se déguiser. La cabane. Mes amours, je vais vous montrer dans le noir parce que je vais d'abord vous montrer dans le noir. Donc, voilà notre maxi cabane, mes amours. Vraiment, elle est trop belle. On peut la refermer ou pas, mais vu qu'elle donne directement sur la télé et qu'on va regarder un film d'horreur, on laisse comme ça. On a mis plein de plaids, ça vous l'avez vu. Là, il y a notre copine, on a décidé de l'appeler Rigel. Ici, oh, c'est horrible le bruit qui fait ce truc là-bas, c'est d'une horreur. Ici, du coup, on a tous les néons comme ça pour nous donner une petite ambiance. Là, il y a Chucky et sa copine, tout reste des néons. Là, c'est des pop-corn. Là, c'est pour sonner à la maison. Et là, je vais vous montrer ce que c'est un projecteur. Bref. Ici, à l'intérieur de la cabane, il y a un bac à activité pour faire plein de trucs. Genre là, il y a des crayons. Là, c'est pour décorer une citrouille. Mais j'ai oublié d'acheter la citrouille. Je suis trop nulle. Des autres crayons, des activités comme ça. Bref, on verra ça tout à l'heure. Il y a le bac que je vous ai montré à skincare avec du coup toute la skincare d'Halloween. D'ici, mes amours, regarde ce que ça rend. Là, j'ai la skincare. Là, j'ai mon toit d'Halloween. Ici, j'ai toutes les décorations, ou alors je peux me poser là. Et voilà ce que ça rend avec le film qu'on va regarder du coup. Oh my god, c'est trop Pinterest, je suis désolée. Et regardez le projecteur, ce que ça donne. Il y a des petits dessins sur la cabane, sur le mur et tout. Ambiance, toi-même tu sais. Ouais, à ma disposition, quand on est dans la cabane, il y a le coin repas. Pour le moment, c'est que l'entrée que j'ai mis, mes chéris. Mais il y a les cocktails, mes autres cocktails, le petit plateau de charcuterie trop moche. Mais c'est de la charcuterie, on adore. Les pop-corn, ils ressortent noir, mais voilà. Là, on a une petite bougie d'Halloween et plein de petites déco citrouilles. Voilà, ensuite, il y a la déco de la cheminée que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, il y a ça là en face de nous qui nous casse bien les bonbons. C'est d'une horreur. Ça nous saoule. On a mis la petite tronçonneuse, une citrouille et une petite citrouille comme ça animée et un petit chatouille. Et là, mes amours, du coup, le coin de télé, j'ai mis les petites peluches que vous avez vues tout à l'heure. On a mis plein de citrouilles ici et le petit truc citrouille là-bas. Comme ça, on regarde un film dans l'ambiance. Donc voilà, vue globale de la cabane. Non, je suis désolée, c'est trop beau. Là, mes amours, j'ai mis le saladier pour faire peur à Lilou Swan quand ils vont se servir des chips. Ensuite, on a les bonbons. Et voilà, on est bien pour regarder un film. Du coup, mes amours, là, on va appeler Lilou et Swan et on va voir leur réaction. J'espère qu'ils vont kiffer. On va tous se mettre en pyjama et on va pouvoir manger et regarder le film d'horreur. Viens voir. Elle est tombée. C'est con. Elle est pas incroyable, ma cabane. Non, c'est beaucoup. Non, mais viens voir l'intérieur. Waouh. Elle est belle, hein. Voilà la cabane pour ce soir, c'est bien? Ouais. Swan, ton pyjama il est là. Là. Oui, il est là. En vrai, tu dois mettre un ensemble noir et c'est un plaid qui fait capuche. Ah! Parce qu'il n'y a pas de pyjama des garçons. Trop bien, non, c'est bien. Hein. Moi j'ai le t-shirt mercredi et papa il y a Freddy. Et ça, c'est le déguisement des chiens. Après, ici vous pouvez prendre des accessoires, j'ai mis plein d'accessoires si jamais. Ouais, vrai. Oh, mais c'est trop. Allez, on change et on revient du coup. C'est bon, mes amours, moi j'ai mis mon pyjama mercredi. J'aime trop en plus pour doré, je vais vraiment le porter dans la vie. Mon chéri, il a mis son pyjama Jason.
Il est beau toi aussi. Oui, il est beau. Ici, on a Sohan du coup avec son plaid. Il est trop beau le plaid. Et un pyjama noir. Et enfin, il y a le pyjama de Lilou, c'est un haut oversize avec le pantalon. Il est trop beau. Il est trop beau. Ah ouais, mais par contre. C'est trop beau. Hey, je vais te refaire une coupe, toi. Voilà mes amours, Lilou elle va vous montrer comment on fait les hot dogs d'Halloween d'horreur, de fou. Bouh. Surtout de fou là. Comme dirait Nathan. Bon là c'est... Donc en fait faut que vous enlevez un bout de peau devant la saucisse et que vous faites des petits traits comme ça. Hop là, rien d'autre plus. Mais t'es forte toi, regarde-moi ses ongles, c'est vraiment magnifique. On dirait les tiens. Pardon. Ça, c'est pas parce que les tiens ont poussé un tout petit peu que c'est des miens. Hein. Ça ressemble aussi aux tiens, regarde. Non les miens ils sont bleus. Les miens ils sont bleus, pas les tiens. Hedjeg, 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 Hedjeg. Qui veut faire un masque des pieds? Moi, personnellement. Moi. Toi? Ouais, j'ai des moches pieds. Moi, ah ouais. Bah ouais. Il y en a que deux. J'ai mes pieds, Nicotine. Il y en a que deux. Alors Lilou et moi, les filles avant. Et belle hein. Alors en fait je vais pas te le faire, t'as juste à foutre tes pieds dedans. Je t'en prie. Ah bah personne n'aurait pu me dire que j'avais de la sauce tomate dans la bouche. Ah bah non. Mon masque pour mes points noirs. C'est pas sur les joues les points noirs, Lilou. Sur le nez. Ah, on en a mis dans les sourcils. Mais j'ai pas le même. Ça y est. Je sais pas, ça va pas chercher. On me tâche pas. Mes amours, du coup, ils font tous dodo, donc on va les laisser dormir. Likez, abonnez-vous si vous avez kiffé la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Bisous. Bisous, 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 bisous. Allez, réveillez pour lui enlever au moins son masque, parce qu'elle peut pas dormir avec son masque, celle-là. Arrête. Là, je demandais vous, comme d'habitude. Elle comprend rien. Mon pied. Johan, on va se coucher, Johan. Swan. Il est vraiment fatigué de sa classe de découverte, celui-là. Il se réveille même pas.